Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le clan, je suis toujours à mon deuxième jour de tournage, vous avez vu qu'une seule vidéo et je crois que vous n'avez même pas vu encore le nom du clan dedans. Donc vous inquiétez pas si pour l'instant il n'y a que deux membres, c'est toujours Rontopo et moi, Rontopo qui était déjà présent sur Overwatch pour m'aider. Hop, on y va, crac, on est bon. Et donc, rétablir le courant, c'est là-bas. Maintenant que nous avons atteint le centre de contrôle, il faut trouver un moyen de restaurer le courant avant de pouvoir nous occuper de la flotte. Moi, c'est des munitions. Zavala m'a dit que vous vous étiez porté volontaire. Je dirige les opérations et Holiday, la responsable de la flotte, fournira le soutien technique. La mission est simple. Entrez, activez l'interrupteur et sortez. Sloane est plutôt doué pour rendre les choses simples, hein? Ouais. Moi, je vais pouvoir... C'est par là? Ok. Étrange, si je suis allé la première fois, c'était... Ah oui, la porte doit s'ouvrir. Voilà. Hop. Qu'est-ce que... Non, vous alliez pas tous contre moi, hein. Et oui, tu t'es pris une balle dans le genou. Mais forcément, c'est par là qu'il faut que j'aille. Là où il y a des combats, forcément. Nous avons attiré les déchus ici. Non. Ces vautours nous suivent depuis que nous avons évacué la Terre. Non mais les mecs, vous avez des ennemis juste devant vous qui vous tirent dessus. Je leur tire dessus et vous dites, mais non, mais c'est à nous de les buter. Donc il y avait les équivalents l'un en face de l'autre. Je sais pas si vous avez remarqué. Capitaine versus chevalier. Par contre les mecs, là par contre faut réagir. Hein. Si vos potes me canardent... Eh ben non, pas le temps de te régène toi. Allez, on progresse. Boum! America fuck yeah, hein, comme toujours. Champ coupe. Ah, ce qui me fait penser que j'ai récupéré des bottes! Bottes d'une défense 53, je vais les équiper. Ouh, c'est joli ça! 56, 71! Je prends. Forteresse type 0 en 57, je prends aussi. Ok. Et là, on a chopé apparemment une arme. Le mandibule avec 61 de puissance. Je vais tenter le mandibule avec la puissance. Pourquoi? Puisque même si le revolver est extrêmement puissant au coup par coup, j'ai envie de voir ce que ça donne avec un PM, un pistolet mitrailleur. Amanda, la ruche a tout infecté. Holiday, il faut que vous repreniez votre vaisseau. Nous avons besoin de vous pour évaluer la menace depuis les airs et s'assurer que le périmètre est sécurisé. Ouais. Quoi? Vous savez quoi? Mon vaisseau a pas mal souffert quand on a évacué. Une fois que nous aurons rétabli le courant, votre Bonjour. Vaisseau sera le premier à être réparé. Super, super. Apparemment, le mandibule n'est pas un... PM. J'adore quand ils font ça dans les films, vous savez qu'ils avancent avec un corps. D'accord, ce sont des explosifs. Vous savez quoi? Il en reste un. Forcément. Boom, bitch! Ici, on arrive à distinguer les convertisseurs d'énergie des vagues. Super, vous n'avez plus qu'à activer l'interrupteur pour les allumer. J'équipe, hein, 74, j'équipe, hein, je me fais pas prier. Ah bah c'est tout! Bon bah vas-y copain. Pénètre. Accès au système en cours. Quelques pistons bougent, mais nous sommes toujours dans le noir.
Alors 4, apparemment 4 sur 6 c'est 33%. Bon, c'est 33% resté. Désolé les amis, mais vous allez devoir sortir et trouver un moyen de réparer ça. Forcément. Toujours à moi de réparer les choses. What? Ouais, je l'ai senti venir ce coup-là. Lumière, merci. Là, faut pas qu'on se foute de mag. Ok. Je sens que ça... Merci. Même en termes musical, ça ressemble à Halo un petit peu, je trouve. Ah bah. Ok. Alors, clairement. Bon, d'accord, j'ai pas le droit de passer. Ok, voilà. Clairement, les machins, ils ont le droit de passer dedans, pas moi. Bon, bah, ça se passe plutôt bien. Finalement. Ouais! Je vais revenir sur ce que je viens de dire. Et comment je remonte? Oh mon dieu, il y a une arme qui nous tire des pruneaux dans la poire. Ok, vous êtes vachement loin vous en fait. Alors oui, je sais, il en reste. Voilà. Et monte ta tête qu'on rigole, elle devrait arriver de par là, je dirais, à peu près. Je croyais qu'il allait pas le faire. Je reconnais, je croyais qu'il allait pas le faire. C'est quoi ça? Absolument dégueulasse. Celle-là a été passée sur le coin de la poire, mon pote. Où il est? Où il est passé? Il joue à cache-cache ou quoi? C'est pas possible. Il tirait dessus par derrière, là, du coup. Ok, ça passe plutôt bien. On aura eu un paquet de cette manière. Ok. Libération du pont. On va s'amuser un petit peu quand même. Taïo! Pourquoi ça clignote? Ça fait un peu explosif quand même sur les bords. Ok. Eh ben c'était rigolo! Ah même que c'était totalement l'éclate. Ouh, fanion de feu, fanion de titan en plus, génial. Home de Renégat 67. On va prendre ça. Dommage, j'ai pas le home de feu, ni les gantelets de feu. Mais bon, c'est comme ça. Et je crois que j'ai toujours pas grimpé de level en plus. 6, 6, 6, 6 peut-être, attendez.
J'ai plein de points d'amélioration, mais je les garde, parce que pour l'instant, je trouve pas ça efficace. Enfin, je trouve ça efficace, ce que j'ai à l'heure actuelle. Les grenades collantes, tout ça, tout ça. Ouh, j'ai bien fait de pas m'attarder là-dessus. Vous avez entendu ça? What? Des kamikazes. Votre lumière vacille. Bah putain, c'est... Ok. Alors moi, souvent, les machins qui font des... Ah, quoique. Quoique, si, peut-être. Peut-être. Je l'ai pas vu venir. Vous avez entendu ça? Ils n'apparaissent pas. Ils n'apparaissent pas. Ok. Intéressant de savoir qu'ils ont des kamikazes dans leurs esclaves au niveau de la ruche. Je teste ça. Le kamikaze en jeu vidéo, il n'y a rien de pire. Il est souvent overcraqué. Bonjour! Putain, j'ai cru qu'il allait tomber dans le trou. Bouffe. Merci d'être venu. C'est quand même l'éclat de ce pouvoir. C'est Captain America like, mais bon. C'est l'éclat. Mais ouais, du coup, le kamikaze, c'est souvent overpété. Nous sommes sur les plateformes des convertisseurs. Ok. Vérifiez les pistons en panne pour voir ce qui les bloque. Une fois qu'ils pourront tous bouger, nous aurons du courant. Hashtag gain de temps. Bonjour. Tu veux bien allumer la lumière, s'il te plaît? D'ici là, qu'ils me foutent pas un esclave derrière. Oh oui, nous avons trouvé la source du problème. La ruche a sali nos pistons. Trouvons un moyen de réparer ça. C'est fait. Le premier piston est opérationnel. Nous l'avons bien décapé. Décapé. Génial, mais on est toujours dans le noir par ici. J'ai décapé. Il reste des choses à décaper, gardien. Par où? Par là. Ok. Ça va. Vous avez vu, ils sont pas apparus. On les a entendus hurler, mais ils sont... Tu me vois? Tu me vois pas? Hop là, bah, je suis mauvais. C'est bon. Ah bah, planque-toi, t'as raison. Merci d'être venu. Ok. L'idée... Cadence 11. Fusil à impulsion. Pff, 75, on va le mettre. Il est sur le principe qu'il soit vert, on va le mettre. Le problème, voilà, c'est que c'est un fusil à rafale. Donc ça peut être soit extrêmement efficace, soit malheureusement pas au point que j'aimerais. Surtout face à des... Putain, je les entends partout maintenant. C'est la tristesse. Surtout pas autant face à des ennemis de style kamikaze. Qu'il faudrait tuer rapidement. C'est par où? C'est par là. Tu les pistons durs, c'est bon.
Si vous avez des suicidaires à me présenter. Je parle de. Deux, hein. Pas in real life. C'est venu. Munitions, récupère. Là par contre on est obligé de récupérer tout ce qu'on trouve. Je savais bien qu'il y en avait un de plus mais je savais pas où il était. Non, vous êtes rien. Bon bah tant mieux. Alors pour une raison que j'ignore, ça me rappelle un petit peu, pour ceux qui ont joué par exemple à Final Fantasy 7. Ça me rappelle moi un peu, je me rappelle plus des noms par contre, je suis désolé. Vous savez l'endroit où Genova était incubé, si je puis dire. Essayez la plateforme centrale, tout le courant est acheminé par là. Et où on la voit à l'intérieur de sa cuve. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nouveau. Heureusement que c'est pas couplé à des kamikazes cette phase de combat parce que là ce serait la violence. Finalement. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Meurs. Le disjoncteur devrait se trouver dans le coin. Trouvez-le et activez l'interrupteur. Entre les ces ennemis là aériens qui ont un bouclier plus des j'imaginerais bien 100% c'est bon. Ouais. Cool, ça marche. Le courant est rétabli. Waouh. Ah putain, vous imaginez, c'est quand on allume une lampe, nous ça fait ça. Nous occuper de ces communications ennemies interceptées. Moi je serais fou. 1250 points, 510 pieds de clan personnel, cool. Fin de la mission dans 7 secondes. Cool. Bah GG à nous, chers amis. GG à nous. C'est très très cool. Bah ces missions sont quand même assez géniales. Hein. Je suis sur le cul. Hein. Le jeu est vraiment très 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 bon. Moi j'ai vraiment l'impression de rejouer un Halo en boosté de la mort qui tue. C'est un Halo sous amphétamine quoi. C'est. Je m'éclate. D'ailleurs, enfin je trouve que la patte Bungie est vraiment très très singulière. Parfois, certains diraient qu'elle est trop représentée dans trop de. Ah cool. Nouvelle plateforme sur Titan, d'accord, ok, pourquoi pas. Black Soul. Black Lotus, pardon, autant pour moi. Je crois que c'était quelqu'un que je connaissais. Est-ce que j'ai obtenu des objets? Est-ce que j'ai obtenu quelque chose? Est-ce que j'ai... Non. Est-ce que je peux aller me torcher? Oui, ok. Événement public et Mina. Ok, où ça? Qu'est passo? C'est là que je suis. Qui y a-t-il? Et ok, il y a un événement public. Ou quand? Telle est la question. Les halls de la purulence. Et apparemment, la carte est plus grande, j'ai l'impression. Ok. L'endroit est sympa. Alors, il faudra que je me renseigne sur à peu près tout ce que je peux faire dans ces endroits, dans ces hubs, dans ces mini-hubs. Mais bon. Du coup, Sloane. Oh, la vue est magnifique, hein? Tu as essayé votre récompense. Vous, nous sommes opérationnels. Mais il reste pas mal de choses à faire ici. Pour commencer, il faut réussir à préparer la riposte contre la Légion Rouge. J'ai un plan, mais sans vous, il ne fonctionnera pas. Lors de l'évacuation de la cité, nous avons intercepté un signal prioritaire de la Légion Rouge. Mais nous n'arrivons pas à le déchiffrer. Selon Holiday, il y a une technologie qui permettrait de le faire à l'Arcologie, qui est en territoire hostile. Vous serez à l'aveugle. Ce lieu n'a pas été visité depuis des siècles. Tout ce qu'on sait, c'est que la ruche y sévit, et ça ne va pas vous faciliter la tâche. Mais, si ça vous intéresse, menons ce plan à exécution. Moi, je vais prendre ça.
Et c'est bien la seule chose que je vais prendre, parce que je crois que c'était un objet de mission. Ouais, c'était de la mission. Cool. Ça m'a un peu effrayé, parce que j'avais peur que ce soit un objet, vous savez... un objet... Oui, voilà. Que je pouvais récupérer plus tard à un niveau bien plus intéressant. Je suis là pour vous. Mais en fait, non. Et donc, du coup, moi, j'ai récupéré, je crois que c'est des brassards. Ah, ça... Non, c'est joli. Alors, pourquoi j'ai pris ces brassards? J'explique. Corne de malédiction. Les frags de mêlée avec des charges de bouclier rechargent le lancer de bouclier. Les frags de mêlée rechargent le bouclier sentinelle. Autrement dit, ce pouvoir-là se rechargera quand je serai en train de frapper un ennemi. Ce qui est complètement pété. Maintenant, si je voulais voir les détails, vous voyez, je pourrais par exemple dire, voilà. Là, j'ai résistance accrue. Récupération de points de vie améliorée, ça peut être intéressant aussi. Infusé, bon là c'est pas intéressant. Revêtement, j'ai pas d'avoir revêtement personnellement. D'ailleurs je sais pas, j'ai pas suivi le détail comme quoi les revêtements vont peut-être revenir en débloquable et non en consommable. Je ne sais pas si ça va être le cas ou pas, je voudrais que je me renseigne tiens d'ailleurs. Mais ça pourrait être intéressant de savoir ça. Vu qu'à l'heure actuelle, en fait, dans le premier Destiny, les revêtements, donc tout ce qui pouvait changer un autre, changer l'aspect en fait de vos objets, était un débloquable, donc vous pouviez changer autant de fois que vous vouliez, d'après ce que j'ai compris. Maintenant, en fait, c'est un consommable. Une fois que vous consommez l'objet, vous le perdez, donc vous perdez la coloration. Ce qui est à moitié con, parce que ça vous oblige à farmer ces éléments-là, qui sont juste des éléments cosmétiques. Et c'est vrai que sur le principe, je trouve ça complètement chelou, vu que c'est toujours un plaisir, normalement, de pouvoir... Enfin, le fait de customiser un personnage de la couleur qu'on veut a toujours été, normalement, dans le cadre du plaisir et non du grind, normalement. Enfin bon, c'est mon avis. Il m'arrive de me tromper, alors je vais aller voir parce que ça se fight là-bas. Hop, on a 21 minutes, on a le temps. Alors, je connais pas trop la zone, hein, excusez-moi. Crac, boum, hu. L'événement est chier. Ok. Et j'y ai accès aussi ou... Requiert la participation à l'événement. L'événement est terminé, dommage. Bon bah, tant pis. Tant pis, j'aurais dû me dépêcher. Tout est ma faute. D'accord, et je reconnais l'endroit. Ah, c'est pour ça que j'ai vu une miniature, peut-être qu'il montrait le hub en question. Enfin, la zone en question. D'accord. Bon, why not, hein. Ok. Bon bah du coup nous ce qu'on va faire chers amis c'est qu'on va se... Ouh, il y a encore des ennemis juste ici. Juste à la sortie de la base. C'est stylé cela dit hein. On est à combien de temps? On est à 23 minutes d'épisode. Bah on va se laisser là je pense. Et moi je vais retrouver donc dans le prochain épisode. Je vous montre le clan, comme toujours vous pouvez le rejoindre. N'hésitez pas, hein, c'est fait pour. Et moi je vous retrouve pour la suite de l'aventure prochainement. Salut les gens!